demander, moi, comme d'habitude, c'est vrai, ma vie d'avocat, yes. Ma mère est énervée parce qu'elle me demande tout le temps ce bouée. Énervée. Mais c'est trop bon. Du coup, avec des yens, après le bouée, eux, ils prennent pizza. Je sais pas c'est lequel où il y a le plus de maillots. Mais ça doit être lui. Au même endroit qu'on y était avant-hier. Du coup, là, on va au même endroit qu'avant-hier et voilà. Là, on a trouvé un restaurant marocain à côté d'ici. Voilà. Donc, je vous explique ce qui se passe. On a marché pendant 20 minutes pour trouver du coup ce couscous là. 15 minutes. Et au final, ils ont dit que le couscous c'est que le vendredi. Du coup, voilà, ils voulaient dire vendredi. Donc là, on va manger dans un resto normal. Let's go. Moi, j'ai pas faim. Du coup, j'ai pas mangé. Mais ma mère me force à manger. Hein, maman? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais sauf que je vais pas manger parce que j'ai pas faim. Regardez. Mon ventre est plat. Non, en vrai, vraiment, je pense que tu manges un peu. Mais maman, j'ai après. Mais je n'ai pas faim. Sinon, t'as pas le droit d'être. Mais on prend livraison. Enfin, livraison. Non. C'est emporté pour moi. Comme ça, je mange à la maison. C'est bon. Je te jure, maman, je peux pas manger. Voilà, vos parents aussi vous forcent à manger, je suis sûre. Bref, bisous. Salut, donc qu'est-ce que t'es fait? Merci. Vas-y, il a fait ça. Alors. Du coup, là, nous sommes dans un restaurant. Et nous avons pris des spaghettis à la bolognaise avec Diana. Et ben, elle a pris une salade avec fromage de chèvre. Et ma mère, elle a pris du poisson. Du cabillaud. What the fuck? C'est connu pour ça en fait. Quelqu'un dans le verre, il me prend. Qui va boire ça? Ça se boit vite, pas bien. Non. Regardez, je me fais bizarre. Et je me fais pas de on vient de manger, il y a un mec qui nous a forcé à acheter ça. Bon, du coup on l'a acheté, mais bon c'est moi qui me le fous sur le crâne. Ça m'a bien je trouve quand même. C'est Mimi. Wow. Petite robe, on a sorti la petite robe. Diana m'oblige à mettre ce truc. Promenade de digestion les gars. Attendez, attendez. On va aller prendre le dessert. Allez. Oui. J'ai envie de l'attraper, j'ai envie de l'attraper. Si je l'attrape, je me marie. Ouais, je me marie. Mais quoi, Marcel? Quoi, tu veux? C'est bon, non, par contre, abuse pas.
non, pas une fois. Je t'ai dit, fallait applaudir, t'es chiante. Ouais. 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 Attends, attends. On fait genre y'a rien. On fait genre y'a rien. Oh, c'est normal, tout est normal. Ouais. Merde, c'est mon jeu. C'est pas bravo. Ah, on s'amuse à faire peur et applaudir les gens parce qu'on a eu trop peur d'un mec alors qu'il nous a juste dit bonjour. On n'en peut plus. Hein. Oui, la prochaine fois, je leur fais peur. Non, je rigole, j'applaudis. Ouais. C'est-à-dire on relève dans la vie, non, on relève dans la vie. You are so pretty. Wow. Ah, regarde. Non, mais là, tout le monde nous connaît, à côté de la maison, on va faire calmement. Non, on fait juste happy birthday, en mode c'est leur anniversaire. Parce que c'est leur anniversaire, viens, on fait ça. Vas-y, attends, mais il y aura personne. Mais oui, il y aura personne. Allez, Si, oh putain, il y a un mec. Happy birthday. Non, je... Oh putain, viens vers là. Débile, quoi. Non mais c'est bon, il a le droit d'être dans son camion. Ouais, il a le bidon. Ils sont là. Il y a un mec, mais oui, c'est son camion. Mais oui, j'ai de la main là. Ça veut dire que c'est pas ta chance. Je suis sûre qu'il est pas là. Non, non, ça va. Oh putain, on prend la sucette, tout le monde a crié. Non, c'est ça, c'est bon. Ah, mais oui, je me disais pourquoi moi je marche mieux. Parce que j'ai des. C'est parce que c'est pas qu'il y avait d'un. Ah, mais c'est joli en vrai, regardez en haut. Putain, ça fait mal aux yeux. On dirait. D'accord, bah, on va être bloqué. Hyper grand, hein. Quand on va être bloqué, t'auras le temps de. Regardez, oh my god. Yeah. Yes, that's beautiful. Ça va faire peur. Est-ce qu'il y a un cling-cling là? Non. C'est là. Wow. Allez, ouvrez le truc, ouvrez le truc, je prends mon truc. Ouvrez mais le truc. Mais toi, tu t'en mets calme, toi. Non, c'est combien de centimètres cette merde? Je suis hyper grande là. Hein? T'es la plus grande de la famille. C'est combien de centimètres? Vas-y, venez là. C'est quoi? C'est. Soit ils nous acceptaient pas parce qu'on était en maillot de bain, soit ils nous acceptaient pas parce qu'ils étaient full complet, enfin bref, que des trucs chiants. Donc là on a trouvé ça. Un magasin. Un petit magasin. Et on a pris quelques trucs, donc voilà. Donc ce soir c'est quoi? C'est les restaurants. Qu'est-ce que je... Aroca. T'inquiète, je mange On fait ça pour Diana parce que vraiment Diana hier... Elle a sauvé sa vie. Ouais, elle m'a sauvé la vie. Mais on vous a raconté ça d'ailleurs ou pas? Non. On vous a pas raconté, je crois. En ouais, gros, alors, On était dans un parking. Et en fait, le parking, il allait. Non, mais d'abord. Il se ferme. Depuis vraiment le début. Ok, bon, depuis le début. Ouais. Donc, elle voulait aller au restaurant marocain, sauf qu'il était trop tard. Donc, le restaurant marocain, il était. C'était fermé. Donc, c'était trop tard. Donc, là, on fait quoi? On se dit, bon, bah, on va manger dans un autre restaurant, sauf qu'il y a caprice de ouf.
non, nanani, nanana, mais moi vous m'aviez promis, nanani. Et moi, du coup, je l'ai fâchée. Je dis, ça suffit, Diana. Je l'ai un peu plus fâchée que ça suffit, Diana, mais après, elle m'a sauvé la vie. On vous explique comment. En gros, j'étais dans le parking, donc en fait, le parking. C'est mauvais, dangereux ce que j'ai fait. Ouais. Donc le parking en fait c'était un parking où tu mets ta voiture, ensuite ta voiture elle va ou en haut ou en bas et en fait dès que le portail se ferme la voiture elle part. Donc en fait moi j'étais encore dans la voiture, j'avais fait descendre tout le monde avant. Donc tout le monde était descendu, moi je suis restée dans la voiture. J'ai ramené ma voiture dedans à l'intérieur et je voulais descendre sauf que en voulant descendre il y avait mon truc qui était coincé, ma robe qui était coincée dans le siège ou je sais pas quoi. Du coup j'arrivais pas à descendre. Et là, il y a un moment, j'entends Névin et tout, parce qu'en fait, le portail est en train de se fermer. Et là, je vois, je me tourne et je fais ah, j'ai trop peur et tout. Du coup, j'arrache ma robe et tout. Ça va, ma robe, elle va bien. Et là, j'arrive, j'avais des talons et tout. Et là, je vois Diana, elle est en dessous du portail, elle l'a soulevé comme ça. Alors qu'elle m'a grave Alors que je l'avais fâchée juste avant et qu'elle pleurait parce que je l'avais fâchée. Et du coup, elle m'a quand même sauvé la vie. Ça serait quoi les plus faire des bons en église? Plus de discussions. Attention. Donc, du coup, cette fois, on lui a promis qu'on irait au restaurant iranien. Marocain. Italien, tu dis comme que tu veux. J'ai dit iranien. Ah. Ok, du français. C'est un deuxième quand même. Franchement, l'accueil, c'est de la merde. C'est sucré, en fait. On va vous donner le nom de l'enfant, mais comme ça, vous allez avoir. C'est sucré. Pire expérience de ma vie, je crois. C'était horrible. C'était d'accord. Non, c'est même pas dégueulasse déjà, ok. Leur seul, c'était de la merde, les gars, de la merde pure. Genre, tu restais là pendant deux heures, surtout, personne venait te voir, on est qui, nous, surtout des chiens. Que, en fait, on a été grave déçus parce que on est allé dans des restaurants marocains. On connaît un restaurant marocain à côté de chez nous qui est incroyable. Il est trop gentil, le mec et tout. Et donc là, on s'attendait au même accueil, au même service. Et là, on. Les Marocains cette année, et vraiment c'était horrible, c'était une expérience de merde, franchement, on regrette de ouf, mais bon, au moins ça nous apprendra pour la prochaine c'était fois. C'était vraiment dégueulasse, j'ai pas de pitié. Tiens, même Diana qui aime trop le couscous, elle a dit que c'était pas bon. Elle veut pas bouger là.
Je veux qu'on me change mon assiette. Hein. Non. Il passe. Où? Allez, chie ça. Non, non. Où il est? Où il est? Bismillah, rahman, rahim.